Bonjour Monsieur Angel. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire? C'est une longue histoire. Parce qu'en fait, comment dire, j'ai toujours un peu écrit, mais jamais essayé de publier. Bon, c'était plutôt des essais ou des petits textes, des petits poèmes et tout. Puis maintenant, avec l'âge, j'ai eu plus de temps pour me consacrer un peu à des petites recherches et à l'écriture. Et en plus, c'est un passe-temps pour moi. Comme j'aime bien lire, forcément, j'ai envie d'écrire aussi. Voilà, c'est un peu ça la motivation. Et puis là, maintenant que je suis retraité, j'ai largement le temps de me consacrer à cela, quoi. Et puis je suis venu aussi à l'écriture par l'intermédiaire de mon attirance pour Erckmann Chatrian, Oui. que j'ai beaucoup lu dans mon enfance. C'était la lecture un peu classique ici, à l'école primaire notamment. Et je me suis intéressé à leur œuvre, et puis je suis mis à me dire que je pourrais peut-être étudier un peu plus certains thèmes de leur œuvre. Et puis j'ai commencé par un livre comme ça sur Erckmann Chatrian, et sur les scènes de table et la cuisine et les repas dans Erckmann Chatrian, dans l'œuvre complète. J'ai fait un autre petit livre sur un livre burlesque, du mot humoristique si l'on veut, sur les relations entre les Alsaciens et les Lorrains. Il y a matière à dire, je crois. Oui, oui. Et là, récemment, vous avez sorti aux Donc, éditions La Valette, c'est Musique à ça, bouche. musique à bouche. Alors là, c'est un essai que j'ai fait sur le patois ou le dialecte que l'on parlait dans la région ici de la Oui. vallée des Deux-Sarts. Parce que je me suis souvenu que mes parents, enfin mon père, ma grand-mère le parlaient. Parce que je suis né dans une auberge, dans un café, le café de la gare à Vespervilliers. Et là, quand j'étais enfant, notre pièce à vivre, c'était le bistrot. Et j'entendais les anciens et mes parents, mes grands-parents qui discutaient en patois. Donc j'en ai gardé des souvenirs. Je le parlais presque quand j'étais enfant. Puis après, bon, je suis allé à l'école ou à l'internat, les études, et puis j'ai complètement oublié. J'avais l'impression que j'avais tout oublié. Et puis quand je suis revenu ici dans le village, je me suis rendu compte que quand je rencontrais des amis d'enfance, des copains de classe, ben, on utilisait des mots, des expressions entre nous, et que ça revenait tout doucement. Je pensais que j'avais tout oublié, puis en fait, non. C'était quelque part caché dans ma mémoire, en quelque sorte. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de retrouver un peu ça, parce que je me suis dit, c'est en train de se perdre. Vous Effectivement, voyez? c'est ce qu'on constate, je crois, un petit peu dans toutes les régions C'est en train de qui n'ont pas disparaître. un fort patois présent. Voilà. Ça Hein, contrairement à se la perd tout doucement. Bretagne ou à l'Alsace Voilà. ou d'autres régions de France, ici, il est quasiment perdu. Je pense qu'il est moribond. Oui. Et bon, c'est vrai que l'histoire de France montre que depuis des siècles et des siècles, le pouvoir central a un peu fait tout ce qu'il a pu pour pouvoir éradiquer les dialectes et Les les dialectes. patois. Hein. Bien que l'Europe soit en train d'essayer de les relancer un petit peu. Oui, mais là, ici, je crois que c'est trop tard. C'est trop. Honnêtement, je suis un peu défaitiste, mais je pense que c'est trop tard parce que les enfants ne parlent plus. Non. Et dans deux, je pense, dans deux générations à peu près, ou plus. Plus personne ne le parlera. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce livre, c'est pour qu'il y ait une sorte de mémoire, Mémoire, oui. si vous voulez, de ce que, comment vivaient aussi, comment parlaient nos anciens, nos ancêtres, sans tomber dans un passéisme facile, Oui. mais une sorte de témoignage, si vous voulez. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que vous avez appelé musique à bouche, parce que les mots sont quand même assez chantants. Voilà. Parce que musique à bouche, en fait, c'est le nom qu'on donne ici. Parce que le patois était beaucoup francisé, hein, quand Oui. même, en dernier. Donc la musique à bouche, c'est l'harmonica, ici. Et on a trouvé que c'était bien, avec l'éditeur, on a trouvé que c'était bien de prendre ce titre parce que une langue, c'est souvent une musique. Oui. Et en plus, ben, la bouche, c'est l'organe qui permet de parler. Tout à fait. Donc ça tombait bien, en Oui. quelque sorte. Et alors voilà, moi je voulais faire un petit témoignage sur cela. Alors pour la façon dont j'ai procédé, c'est qu'il me fallait des témoignages. Oui. Donc j'ai fait pas mal d'enquêtes auprès de beaucoup d'anciens. Notamment les dames qui sont au club de tricot du village. Ici, on a un club de tricot qui se réunit toutes les semaines, un peu plus d'une quinzaine de personnes, et des dames qui ont entendu parler ce patois ou qui l'ont parlé dans leur enfance. Oui, ça je veux bien croire. Donc j'ai passé plus d'un an, un an et demi avec elles, une fois par Vous n'êtes semaine. pas initié au tricot quand Non, non, même. je notais. Et c'était vraiment un moment tout à fait intéressant et tout à fait, comment dire, convivial, chaleureux. C'était vraiment, vraiment très, très agréable et très intéressant. Et elles ont joué le jeu. Toutes les semaines, elles venaient
avec des petits mots qu'elles avaient notés sur une feuille. Je leur donnais des devoirs, leur disant, là, pour la semaine prochaine, essayez de réfléchir au nom des plantes du jardin ou de la forêt, etc., ou des scieries. Et toutes les semaines, je m'apportais. J'ai eu une grosse somme ensuite. Bon, il a fallu ensuite trier tout ça, recouper avec pas mal de, comment dire, de littérature déjà existante sur les patois, pour vérifier si j'étais bien dans la Oui, tonalité. puisqu'il y a peut-être des mots qui sont des mots vraiment très spécifiques à un village, voire Voilà. presque à un lieu, donc des Voilà, puis les fois. patois, par définition, les patois, comment dire, changent très vite Oui. d'un lieu à l'autre. Ça peut même dans une famille. Alors, c'est parce qu'ils n'ont pas l'unité qu'a eue la langue française. Oui, tout à fait. Ils n'ont pas eu. C'était peut-être même aussi une manière de pouvoir parler entre soi sans que le voisin comprenne ce que l'on dit. Certainement. Ou le village d'à côté Ou le aussi. village d'à Hein. côté, oui. Oui. Parce que c'était quand même, non pas clanique, mais c'était quand même, dans le passé, c'était quand même des entités très fortes, les villages. L'un se distinguant de l'autre, vous voyez, je pense. Oui, Alors, bien voilà. sûr. Alors, à partir de toute cette somme de cette collecte de termes, d'expressions, de phrases, j'ai retrouvé des choses que plus personne ne connaissait. Des chansons, des anecdotes, des traditions qui ont disparu depuis les années 20. Oui, donc c'est. J'ai trouvé une dame qui a presque 100 ans, qui se souvenait encore de choses, mais elle n'en aurait parlé à personne d'autre. Les gens retrouvent la mémoire de certaines choses qu'ils ont entendues quand ils étaient enfants et dont ils pensaient ne plus se souvenir, qu'ils avaient oublié, mais ils ne l'avaient pas oublié en fait. C'était quelque part dans leur mémoire. C'est ça qui est intéressant comme travail, oui. Puis en fait, ce que j'ai fait aussi, j'ai essayé pour que rendre la lecture un peu plus agréable, je ne l'ai pas présenté comme un lexique ou comme un dictionnaire, Oui, parce qu'on ne lit pas un dictionnaire, bien sauf sûr. moi j'en ai lu un, hein, pour faire ce petit travail, sur le patois lorrain, un dictionnaire de patois lorrain de Zélixon, qui est un peu la Bible en quelque sorte. Il fait 800 pages, je l'ai lu deux fois. Oui, là, on s'approche davantage d'un petit roman avec des anecdotes. Voilà, et c'est ça, c'est des anecdotes et c'est des thèmes. J'ai choisi des thèmes et pour chaque thème, j'explique un peu ce qui se rapporte à ce thème dans la région ou ce qui se rapportait. Par exemple, si je parle des scieries et du bois qui est une activité prégnante ou qui était une activité prégnante ici, ben j'essaie d'expliquer comment était la vie dans les scieries, quelles étaient les conditions de travail, etc. Si je parle du village, je vais parler de l'architecture des maisons. Vous voyez? Donc je donne une sorte de chapeau au début de chaque thème, et ensuite je décline toute une série de mots relatifs à ce thème. Et puis j'ai aussi collecté, parce que c'est un domaine qui m'intéresse et que je pratique assez, j'ai collecté des recettes de cuisine traditionnelle de la région. Donc à la fois il est intéressant parce qu'il permet de faire un travail de mémoire, mais en même temps il est intéressant parce qu'il va nous permettre de retrouver des vieilles recettes peut-être. Voilà, c'est ça, des recettes traditionnelles lorraines. Oui. Il y en a même qui sont. Il y en a une qui est inédite, enfin, que je n'ai trouvé dans aucun livre de recettes lorraines, qui est très simple, très, très paysanne. C'est des kneps à la myrtille. Alors, les kneps, c'est des sortes comment appeler ça, des quenelles de farine, si vous Oui. voulez, qui sont cuites à l'eau, accompagnées de pommes de terre ou de salade, etc. Et là, c'est une recette salée, mais les kneps à la myrtille, ce sont des kneps qui sont faites sans sel, légèrement sucrées, et mélangées à des myrtilles, Oula, en vous me mettez dessert. là à la bouche là. Ouais. Et c'est une vieille dame de la Frabole qui s'est souvenue, en discutant avec elle, me dit, mais je me souviens, ma mère me faisait des knepes aux myrtilles. Et je ne l'ai trouvée nulle part. C'est une recette toute simple. Oui, mais bon, voilà, c'est un élément de plus pour dire ce livre t'as acheté, t'as. Voilà, à consulter au moins. Oh, mais tant qu'à faire, autant l'acheter, autant en profiter. Les Oui, voilà. éditions Lavalette sont éditeurs du livre. Oui, ils sont diffusés. Voilà, Ils ont un diffuseur on peut les trouver un peu classique. partout, j'irai Oui, maintenant. partout, aussi bien sur Internet que dans les librairies de la région. Sinon, on peut les commander à l'éditeur ou les commander dans n'importe quelle librairie de France. Hein. Une dernière question? Oui. Vous avez encore un livre en préparation? Oui. Mais là, j'ai un peu de mal parce que j'ai trois idées. Donc je passe de l'une à l'autre sans être vraiment décidé à faire l'une plutôt que l'autre. Faut faire les trois. Les trois ensemble, je pourrais pas. C'est pas possible d'avoir l'esprit sur des choses différentes. Là, je suis en train d'écrire des nouvelles vosgiennes.
Eh ben voilà, c'est comme ça qu'on va terminer l'interview. Je vous Voilà. remercie, Monsieur Angèle, de nous avoir accordé quelques minutes dans votre lieu de vie. Et puis, à bientôt. Oui, à bientôt et merci beaucoup.